Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce dimanche 25 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec une belle réunion qui nous attend, avec, comme vous le voyez, un quintet plus et deux piques 5 qui seront support tous les trois de The 5 chez notre partenaire. Il n'y aura pas assez de partants dans le prix des élites, ils ne sont que 10. Et puis également, une belle course au trot monté dans la cinquième course du programme. En tout cas, moi je me suis intéressé à la première course. Il y a un cheval qui me plaît tout particulièrement, que je suis depuis un moment. Je vous l'ai donné déjà à deux reprises, va falloir qu'il nous rende notre argent. C'est l'As Journey of Dream. Alors c'est le moins riche, mais vraiment c'est un super cheval. La dernière fois il s'est montré fautif sur l'hippodrome de Vincennes, il n'y avait pas beaucoup de partants. Gabriel et Germini a réussi à se retrouver enfermé avec seulement 7 ou 8 partants dans la course, et pour finir il s'est montré fautif alors qu'il cherchait le passage. C'est vraiment dommage. Moi en tout cas je le reprends en confiance. Auparavant à Cabourg, il s'est retrouvé loin, il a tracé une superbe fin de course déjà avec Gabriel et Germini. Il faut savoir que c'est un concurrent qui a été récupéré par Hans Bondo depuis quelques semaines, et je pense qu'il estimait, hein, c'était un ancien Dubois, et c'est vrai qu'il a des belles origines. Comme vous allez voir, hein, Prodigio, c'est Story Charm. Mais bon, il manque encore un petit peu de maniabilité, de sagesse. Maintenant, ce parcours, je pense qu'il est vraiment fait pour lui. Hein, 2700 mètres sur la grande piste. Il sera, je crois, plaqué des antérieurs à l'occasion de cette compétition. Mathieu Mottier, hein, qui va lui être associé. Ça me plaît peut-être le fait de changer de main. Ça peut un petit peu le canaliser, en tout cas. Je pense vraiment que malgré la qualité du lot, hein, parce qu'il y a Jabal Pur, il y a quand même un sacré lot, je pense qu'il est compétitif. Je pense vraiment qu'il a encore de la marge et qu'il va gravir les échelons s'il se montre sage. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui, comme vous l'aurez compris. Donc ce sera le jeu simple que je vous conseille à jouer chez notre partenaire theturf.fr. Donc voilà, le numéro 101, tout simplement en réunion 1, Journey of Dream. Que je vous conseille donc à jouer 1€ gagnant et 3€ placé. J'espère vraiment qu'il va se montrer sage pour montrer tout son potentiel. En tout cas, c'est un super cheval que je vous conseille là. Je vous conseille même de le suivre pour les prochaines fois s'il ne fait pas mouche ce dimanche. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour, un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.